Très bien, très bien, très bien. Alors, je vous lirai dans le chat le temps du chargement du jeu. Un camp de bûcherons, un coin tranquille, on suspecte tout ça. Ouais. On va faire les foufous. Je crois que je jouais à la manette. Bug of beer. Oui, c'est bien Bug of beer. Oui, ce jeu de fous furieux. On va se déchaîner à faire de la tôle froissée. Flat out. Je suis où? Je suis là. J'en suis à 7 coupes sur 31, 20 bagnoles sur 34, progression 15%. Ah. Il nous reste tant de choses à vivre. Pouah, courir. Ouais, mais dans quel. Ah oui, c'est pour acheter des bagnoles. Non, attendez, 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 attendez. Courir, courir, courir. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je vais peut-être avancer un petit peu dans les courses, non? Ou dans les rues. Ah, j'ai pas la voiture. Ouais, il faut que je me fasse de la thunasse. Faut que je me fasse de la thunasse. Je vais prendre le Nevada. Entrer dedans, ouais. Ah, j'étais pas premier, dis donc. Vas-y voir que j'affasse ce championnat-là. J'étais pas premier. Alors. Ouais, on va faire notre petite heure de. Attends, c'est comme ça que je jouais, moi. Vache, ça m'intrigue à mort. J'ai perdu l'habitude. La gâchette, c'est pas. Ah, je peux baisser le son du jeu si tu trouves que c'est trop fort. Je vais mettre à 30, vous me direz si c'est bien ou pas bien. C'est vrai que les bruits de tôle froissée en plus des moteurs, ouais, ça peut être violent. Oula. C'est mieux, on t'entend mieux. Ouais, d'accord. Non, bah, merci à toi, oui. Bonne remarque. Je me rends pas forcément compte avec le retour écouteur. Ça perturbe ma perception des sons. J'ai une meilleure spatialisation, forcément, gauche-droite. Mais au niveau des volumes, c'est très bien. C'est particulier. Je fais des tests, mais je peux rien faire d'autre. Oh! Merdoum! Monsieur encastré grave! Attendez, oula, 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 redémarre, redémarre, redémarre! Je la trouve molle, ma bagnole, là. Le pick-up, il m'a l'air bien costaud, mais bon, il peut pas avoir tous les avantages. Il est pas assez puissant en motorisation. La reprise est mollassonne. Attends, je rêve ou la bagnole trimballe un gros truc? Trop bizarre ce que j'ai vu pour moi. Oh bah la vache. Moi je trouve qu'on démarre gentil, et là, ça va, c'est calme. Merde, je l'ai loupé. Oh 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 oh! Oh le. Quel numéro il a commencé à jouer devant moi? Oh, c'est Sofia Martinez. Sofia Martinez qui est dans son pot de yaourt. On va la ramasser à la petite cuillère. Hélas! Hélas, routière!
Je me souviens plus que je dirigeais la bagnole et la gâchette. Voilà, là il faut un temps d'adaptation pour le serpent. Bon là je prépare hein, le ralenti, on le mettra pas parce que la course elle est pas... elle est un peu trop molle la course. D'habitude il y a plus de spectacle en moyenne. Oh merde, je me renverse. La force centrifuge fait son œuvre. Ouais, 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 c'est bof, bof. Tellement habitué à des courses plus rythmées. Oh, il y en a un qui s'est fait éjecter, j'ai entendu un gémissement. Enfin, plus qu'un gémissement, un cri. Mon dernier tour, il n'y a que des débris sur la piste. Oh, ok, tout va bien. Je viens de me... Ben, je vais finir dernier là. Et si je me pète les bagnoles en stationnement, ça va faire. Allez, je suis fou, je vais passer par le parc. Ah oui, donc le virage est beaucoup serré par le parc. Ouais, exactement. La centrifuge et la centripète. Très juste. C'est toujours la centrifuge qui est la plus traître pour moi en conduite pilotage. Même en tant que passager, tout simplement, la centrifuge, elle me gave. Tu l'as pris aux dernières soldes? Ah bah c'est bien Christella. Mais oui qu'il est bien ce jeu. Ah oh oui, c'est une bonne référence. Ah, j'ai failli me manger le mur de face. Mais pourquoi je me suis engagé là? Moi je suis fou. Non, je vais perdre ma quatrième place. Non. Oh, j'ai eu chaud. Une cendre. Ah, c'est assez classique la cendre. Continuez, coupe. Oui, on démarre vraiment gentil hier. Ah, j'ai le mérite d'être bulldozer. Rumble Racing Cup. C'est parti. Oh, il est beau l'aspect champêtre de ce... Ah, Olivier. Oui, en parlant de pêche, alors je le ferai. Je le ferai possiblement le week-end prochain. J'ai démarré une nouvelle partie de Stardew Valley et je vais essayer d'en faire une saga. C'est-à-dire que je vais y jouer régulièrement. Je vais essayer de jouer quelques heures à Stardew Valley chaque mois. J'ai fait le choix d'un personnage féminin. Blonde à deux nappes à Samantha, et allez savoir quelles aventures je vais vivre avec Stardew Valley. Je sais que c'est un jeu qui a beaucoup de succès. Oh! Là j'ai super mal piloté, mais je vois que je suis pas le seul à manger de la rhubarbe. Oh, pas mal. Oh, il y a plus de Sophia Martinez. Il y a les emboutis. Ouch. Attends, je suis passé par le dessus. Mais merde, non!
Ah, j'ai tué quelqu'un. J'ai tué Kitty. Malia, ils ont tué Kitty. Vache, va vite. Ouais, j'ai la bagnole la plus robuste, mais la plus lente. Oh la vache, l'erreur de conduite, top pilotage. Ah, mon dieu. C'est la guerre. Oh, j'aurais pu la... Mais c'était hors trajectoire. Non! Ah, ça m'a faussé ma direction. Non, je veux pas quitter la course, je veux continuer. Ah, oh, qu'est-ce qu'il me fait? Continuer course. Il est où le risite? Ah, il est là le risite. Attendez. C'est les gâchettes. Ouais, c'est les gâchettes. Je suis dernier avec ces âneries. Merde, le capot, il me dérange là. Ah! Je n'ai pas le ralenti non plus parce que la course n'était pas... Merci pour les explications techniques, Vincent. Ah, artificier casseur. Je peux pas... Si, je peux changer de bagnole. Parce que je trouve qu'elle est... Ah merde, je peux pas changer. Ah, je peux pas changer en cours de route. Je la trouve molle, mon 4x4. C'est robuste, mais... Ouais, abandonne voir la coupe. J'aimerais engager, mais avec une autre bagnole. Est-ce que je peux acheter une bagnole de rue, moi? Ouais, j'ai pas assez de thunes pour les bagnoles de rue. Vas-y voir dans la concession. C'est quoi le... Ah oui, ouais, quand même. Effectivement, faut que je gagne de la thunasse. Faut que je gagne de la thunasse. Alors, derby, course. Non, bah, je vais rester en derby, finalement. Parce que... Si je veux varier les plaisirs, ouais. Eh, je m'étais pas trop mal démerdé, hein. Premier ou second. Ah, là, je me suis mal démerdé, sixième. Bon, bah, on y va. Allez, on va faire ça. Ça va être autre chose. Ça va être plus de casse et moins de course. On voit l'état des bagnoles. Il y a le joli navion. Ah là, la nitro, on la voit. Tout feu, tout flamme. Nitro! Hop là. Oh, j'en connais une qui est en danger. Tu es en grand danger! Et encore, je l'ai mal chopé, je trouve. Ah, là, c'est mieux. Oui! Oh oui! Cette violence. Pas mal, pas mal. C'est un bon début. Ah oui, allez, continue. Allez, mettez-vous devant mon pare-choc avant. Ah merde. Oh, j'ai accroché le camion à la noix, là. Mais non, mais... Oh, ça casse le rythme. C'est nul. Allez, zou. Oh, faut que j'attrape les troupes maintenant.
Pas moi. L'autre. Minable. Ah, bonjour le baron. Comment ça va? Alors, je trouve que je joue mal là ce matin à ce jeu là. Pour le poids, je suis pas... Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu, mais à l'arrière. Non! Mais non, mais c'est quoi ce délire? Oh là, j'ai eu chaud. Ah, il faut que je... la semaine prochaine, il faut que je change de manette de jeu parce qu'elle est trop usée. Elle part sur la gauche et j'ai un bouton qui reste enfoncé. À moins que je la démonte un de ces jours et que j'essaye de la réparer, mais ça va être sport. Merdoum. Ouais. On va avoir chaud. Fais salir. Oh, on y va ensemble. N'importe quoi. Ah, c'est bientôt l'arrivée, je vais pouvoir vous lire dans le chat le temps du ralenti. Je voyais venir. Non merde, la route pour moi forcément en changeant de trajectoire, ça va pas aider. Allez, avance. Non, m'a dépassé la vilaine fille. Ah. Ouais, moyen, mais on va se regarder le ralenti, ça va me laisser le temps de vous lire. Oh, l'autre, comment qu'il rentre dedans? Alors. Oh, une loge baromètre. Non mais il y a des noms de poissons. Loge baromètre. Oui, ça va bien le marron, merci. Tout le monde va bien dans l'ensemble, j'espère que toi aussi, sachant qu'il n'y a que Christella qui est un peu barbouillée. À cause de la chaleur, elle a le mal au bide en fait. Mais sinon tout le monde va bien. La loge baromètre du Dragon Sky est une espèce de poisson d'eau douce de famille des Comitidae. Poisson omnivore d'origine asiatique. Ah ouais! Je vous rappelle que moi je vous propose les poissons qu'on peut pêcher dans les eaux françaises. Donc les fleuves, les rivières d'eau douce. Hein. Donc fleuves, rivières, étangs, lacs. Poisson omnivore d'origine asiatique, capable de respirer et de se déplacer hors de l'eau. Parfois maintenu en aquarium, un adulte peut atteindre plus de 30 cm de long. Oh, vache. Beau spécimen. Merci pour l'info, Dragon Sky. Oui, je vais reboire un coup le temps du ralenti, c'est l'occasion de rêver.
Alors pardon, je vais être vilain comme j'ai vu mon téléphone pas mal s'activer tout à l'heure. Je vais vérifier si j'ai pas loupé des messages. Oh la vache! Ouah, le plongeon! La folie! Oui, on est limité, ouais, au niveau du nombre de questions à soumettre par jour à Wastebot, ouais, ouais. Est-ce qu'ils vont à terme déverrouiller le quota ou pas? Moi, ça ne tient qu'à moi, je serais pour un quota. Parce que, en fait, comme FunFan adore converser avec Wastebot, je trouve que pour l'équilibre de tous les chats et qu'il n'y ait pas un monopole de conversation avec l'IA, ignorer les autres spectateurs humains, ce serait bien de garder le quota en fait à terme. Mais j'ai... Mince, ralenti. Voilà. C'est que t'arrives à le... Pardon. À lui faire à le provoquer, si je puis dire, FunFan Wastebot, là de dire pique-nique, chips et machin truc, c'est original. C'est original. Allez, courir la suite. Wouh! Oh, il me met sur la ligne de départ, sur la première ligne, deuxième. Message de FunFan 1992. En réalité, tu peux garder le quota, il y a une nouvelle option pour décider combien de réponses il peut donner par personne. Ah d'accord. Ok, tu me l'apprends, merci. Ouais, c'est comme la jauge que t'as découverte de caractère, là. Demander qu'il soit cynique, méchant ou en pirate. Ouais, bah je verrai ça dans la quinzaine. Je verrai ça à l'occasion, mais merci de l'info, en fait. Ouais, ouais. Un robot qui dit j'adore nager. Oui, bien sûr. Je ne sais plus ce que je lis. Oh! Oh! Alors, Ray Carter, je lui ai fait très très mal. Je l'ai encastré dans le décor. Oula, je coupe un peu trop. Merde. Sans déconner, j'ai un problème de manette. Bah tiens, je me demande si je peux pas prendre mes dispositions pour essayer de réparer et nettoyer ma manette moi-même, la démonter ce week-end. Non, alors là, je réinitialise parce que louper le tremplin, c'est naze. J'ai encore cassé le rythme. Bien malgré moi. Ouh. Oh le diable. Il a giqué le diable, il a giqué. Comme tous les objets qu'il transportait. Doing. Oh non! Je pensais pas que je pouvais m'encastrer là aussi. Allez, go! On se mangue les fesses, je veux pas être dernier moi. Par contre, je viens tous les emboutir. Ça y est, je suis en train de penser à Ness Chefman qui va savourer de un mets délicieux là de cochon rôti. C'est scandaleux. Ah.
Oui, à l'occasion, oui, je peux faire une photo. Ouais, c'est toujours sympa. Oh merde, j'ai loupé une case de là, elle explosait elle. Ah! Ah, pourquoi j'ai pas eu le coup d'œil plus tôt? Ça aurait été violent. Finir dans les derniers. Non, j'arrive pas à rester droit. Alors, ah, c'est parce qu'il y a des débris, c'est pour ça que je repars pas. Si j'ai une énorme bûche au niveau du bas de caisse, j'ai plus de motricité, moi. A plus de dérange, c'est pédu. Ouch. Non, je suis dernier. Simuche. Oui, le carnage, ouais, bah mais c'est passé. Langues. Oula. Eh oui, c'est ça qui est beau. Sacré neige. Alors, les langues les plus parlées sont l'anglais, l'espagnol, le chinois. D'accord, le mandarin. Ni hao. Le seul truc que je sais dire en chinois, c'est bonjour. Ni hao. Eau de porc. Là, on l'a vu, hein, largement. La pub mystérieuse fictive. Eau de porc. C'est n'importe quoi. Ah ouais, ce gâchis. Non, mais la dite manette, là, que je vous ai envoyé la petite webcam pour après que je vous finisse mon direct tout à l'heure sur le gros plan et vous montrer la... Je vais devoir la démonter parce qu'elle est... Elle est usée, elle est... Peut-être que je vais la perdre, tant pis, c'est pas grave, je ne saurais pas la remonter, mais... Comme j'ai la chance d'avoir d'autres manettes. Mais j'aurai sûrement le temps ce week-end, j'aurai sûrement une petite heure pour... essayer de la réparer. Pa 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 pa. Aïe aïe aïe. Oh! Bébé, ce saut. Dommage que c'était un saut de traviole. Mais le pire, c'est vous dire que j'ai fait ce jeu avec un volant pédalier en périphérique. Et c'est waouh! Ça défoule mieux. C'est des beaux souvenirs. J'aurais eu cette chance. Ouais, non, genre à partir de là, j'aurais dû continuer ma route parce qu'en fait j'ai cassé mon rythme et c'est dommage. Ça, je pense que c'est la faute qui m'aura fait finir dernier. Ah, bah, je vois que je suis pas le seul à me louper au niveau du plant. Hein. Du plant, non. Je vois que je suis pas seul à me louper au niveau du tremplin, du plantain, n'importe quoi. Oui. Très bien.
Je vais finir, ça va être l'heure. Non mais je t'en prie, Nash. Bonne, bah merci, bon après-midi à toi aussi, bon week-end. Oui, moi vous me reverrez plus, hein. J'arrêterai d'ici une heure. Et moi je vous retrouverai sur mon antenne samedi prochain. Mais là on va continuer un petit peu. Ouais, je vais jouer je pense jusqu'à midi et demi, va. Ce sera sympa. Ouais, bon week-end, bon app. Ouais, bon cochon, comme dit Rio. Bien vu. Ibi. Da-da-da-da-da-da-da, ils m'ont rentré dedans les selles. Oh. J'ai fini dans la rivière. Oh oui. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, ma cache. C'est la mort. Oh. Crotum, chutum, bordelum. J'ai merdé mon entrée. Allez, on part. Oui, bien sûr. Oh, le tracteur. Pourquoi qu'il reste là, le tracteur? Évidemment, je suis bon dernier. Non, mais ça va pas. J'ai vraiment la manette qui se barre sur la gauche, ça me donne des coups de volant pas voulus. Et ça ruine ma course en fait. Oh, vache. Ouais, je sais pas, j'essaierai de... Il va falloir que j'en mette la main sur un bon tournevis pour démonter la manette. Et puis je vais vraiment m'amuser à me... la décrasser, à me la réassembler. Quitte à ce que je la bousille complètement, mais au moins c'est comme ça qu'on apprend. D'action. Ah, il y a du monde devant. Cible en vue. Wallou. Joli. Merde. Mais. Ah. Oh. Mais c'est pas vrai. Je vais revenir sur la route, ou crotte. Ah oh, merde, où je viens de ruiner tous mes efforts de reprendre de la vitesse. Attraper,
Ouais, non, je reste cinquième, laisse tomber. Oh, dans le ruisseau. À la fraîche. C'est hyper beau. Le macaron de Nancy, chez le luxe. Bon, en tout cas, merci à vous d'être là. Ouais. Réfléchissons au niveau organisation. Où est-ce que j'ai rangé mon truc? Alors figurez-vous que le bras qui est tenu pour la webcam et le micro est un meuble dont je suis en train de manipuler les tiroirs puisque je suis en quête. Ah, moi que ce soit ça que je l'ai mis là. Ouais, bon bah je verrai en antenne quand je recoupais. Ouais, c'est pas grave. J'ai dû le ranger dans le premier tiroir du haut. Celui qui tient justement la perche caméra micro. Et le petit tracteur. La PS1. Très populaire dans les années 90, première console. Plus de 100 millions d'unités vendues dans le monde. Non, on peut pas voir les coulisses d'une scène, non. Non. J'ai privé les coulisses. Pop. Sega Genesis Mega Drive. Peut-être que demain matin, j'aurai peut-être une petite heure pour faire des tableaux mystères, parce que je vois Nintendo 64 et je sais que vous êtes plusieurs à attendre à ce que je propose des tableaux mystères sur la N64, donc je pourrais peut-être m'y atteler à partir de demain matin, sachant que j'ai mon année là pour la Mega Drive. C'est bon, je suis tranquille pour 2023, donc c'est cool, c'est une bonne chose. Comment j'ai fait rebondir mon 4x4. Ah, mais je pourrais mettre de la musique libre en arrière-plan. C'est ça qui manque dans l'ambiance. J'ai pas mis de zik. Bonjour Aerostar. Oh, ça va bien, merci, et toi? Oh, c'était bien ta soirée 60 secondes hier. Ah là là, c'était... T'as réussi à aménager un suspense, c'était de bout en bout, c'était trop bien. J'ai adoré. Ouais, ça va, c'est cool. Ah, c'était... On a été beaucoup à bien apprécier, là, c'était vraiment cool.
Ah ouais, à part casseur, j'ai tous les titres. Voilà. Ouais, je suis pas super bon. Hein. C'est ça qui est dingue. Attendez voir que je tente un autre championnat. Ouais, Tarmac Derby Cup. Allez, c'est parti. Ouh ! Oui, t'as raté ça, Olive, ouais. Bah, je dis rien de la chute. Tu peux regarder la rediffusion sur la chaîne d'Aerostar. Mais pendant 2h, 2h30, je crois que ça a duré. C'était... vraiment, le suspense, il était bien. Merde, oh. Mal de chien stabilisé mon véhicule. Merde. Non. Ah! Je voulais changer de voie pour mon confort, mais finalement, c'est pas si top que ça. Oh. Ouah, je roule sur le mur, tout va bien. Au secours. Magnifique. Allez, on démarre. Merde. J'ai eu trop contre-braqué. Ah, j'ai la gâchette qui est trop usée. Oh, les petits panneaux de travaux. J'adorais ça quand j'étais gosse sur les routes auto. Ces panneaux-là verticaux de travaux. Oh, football. Football. Ah, on va aller faire les courses. J'ai un chariot de course avec moi. Chariot de couche. C'est le bordel. Ce dernier tour, il est pas fameux. Et puis... un coup de la boule. Ouais. Il est mollasson ce... oula, ce dernier tour. Bah alors... tu es trop endommagé, j'ai plus de puissance moteur là. Merde, j'ai loupé une occasion. Ah non. Nouveau record. Ouais. Moi. Même une fois arrivé, bande de noms.
une lampe proie. Une lampe proie de rivière. Yeah. Eh oui, mon carillon qui sonne déjà les midi, en vous souhaitant bon appétit. Ibi. Oh, je sens que je vais me faire une ventrée de faisselle, moi, ce midi. J'ai faim, mais j'ai envie de manger léger en même temps, donc j'ai un pot de faisselle. Je vais me faire ça avec des herbes aromatiques et je vais me gober le tout. Puis c'est bien, en plus ça hydrate en même temps, donc c'est cool. C'est cool! Qu'est-ce qui m'arrive à voler sous les murs? C'est n'importe quoi. Oh, ce meurtre. Retourner comme une crêpe. Aïe 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 aïe. Je réfléchis. Ah mon dieu, Dragon Sky a largué les macarons. Il y a des macarons. She's a drop. La lâcher des macarons. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, Wisebot? On lui parle de Chuck Norris et il parle de moi. Pfff. Oui, faut rester droit sur la route. Oui, tu as raison, le baron. Faut essayer. C'est pas évident du tout. Ah non, mais Wisebot, là, il a bugué, là. Tu lui parles de Chuck Norris et il revient à moi. C'est bizarre. Ah ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, Olive. Tout le monde sait que je suis Chuck Norris. Moins gréble que ça. Jean-Claude Van Damme. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a une belle carrière à son actif, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Je sais plus si je confonds, peut-être que j'ai vu les deux brièvement dans la presse People, chose qui m'intéresse pas du tout, mais... je crois que j'ai vu les enfants de... Alors vous allez me dire, ça a rien à voir. De Christophe de Chavannes. Je crois qu'il a, il a des filles qui sont mignonnes comme tout. Et je crois que c'est pareil pour Jean-Claude Van Damme. Ses enfants sont beaux, il a un fils et deux filles, je crois. Des beaux gosses. Ishambo. Quoi, tu as été percé à jour le... Oui, par Wisebot. Quoi? Quel est le sage de Nancy a fait partie de Monopoly avec Chuck Norris? Oula. Courir. Je ne sais plus, mon cerveau bug. Je n'arrive plus à suivre. Allons-y. Hop.
C'est parti, mon guigui. Et voilà, ça part sur la gauche alors que j'ai rien demandé. Ah, oh, cette manette traîtresse qu'il va falloir recalibrer et re-réparer. Oh, violence. Ah oui, ultra-violence routière. Je vous ai tous emboutis. Je vous ai tous emboutis. Da-di-da-da, le meurtre. Non, je l'ai loupé, dommage. C'était bien tenté. Ah, je n'ai plus de nitro. Je n'ai plus de nitro. Oula, 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 ça va mal se finir, ça. Ouch. Oh là là, c'est violent. Eh oh, il est où celui qui est devant? Il est loin devant, dis donc. Qui c'est qui a pris la tête de la course? Oh la vache. Ouah, comment le pylône qu'il a giclé dans le ciel. Il a satellisé un morceau de... de pylône, le fou qui est devant. Oh, comment que je l'ai tué. Non, salopard. Même étude que moi en plus. C'est comme que. Oh là là, et Sofia Martinez, sa bagnole est dans un sale état. J'en connais une qui va pas finir la course. Ouch. Se meurt. Alors là, là, je prends le virage large parce que le prendre de face, c'est le crash. C'est le crash obligé. Allez, je passe par la station de lavage. Ce qui n'est pas forcément à mon avantage. C'est Kepti qui mène la course. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je la tue. Oh, oh merde. Non, là c'est moi. Non, c'est pas à pied que je vais la rattraper. Non, ça marche pas comme ça. Oh, ah non, oh merde. Non. Wouah. Ce vol plané. Mais non. Ça m'a caché la vue. C'est scandaleux. Oh, le foutoir sur la piste. Merde, je suis mon dernier alors que je tenais tête à la Katie qui menait la danse. Il y en a vraiment qui ont des vaillants en sale état, ils vont pas finir le dernier tour. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Merde, ça m'a encastré, c'est nul. Mais non, mais je vais finir dernier, je suis deg. Laissez-moi le bénéfice de les tuer. Je vais vous tuer. Ouais. Je deviens fou. Je deviens fou lorsque je sais que ma cible est acquise. Aïe. Ah. Oh, j'en prends le chemin moi aussi. Là, j'ai le moteur qui fume. Mêlée, mêlée. Je vous lirai dans le chat après la course, comme vous le savez, lors du ralenti. Merde. J'ai pas réussi à stabiliser la bagnole qui est complètement pétée. Non, je veux réussir un meurtre complet avant l'arrivée. Ouais. Meurtre. Mmh. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est dur. Ah, le véhicule qui répond plus de rien. C'est une épave à moteur. Allez, sixième. Oui, je suis sixième. Oui, elle était pépère là. Ouais. Le début était violent, mais le dernier tour, vraiment sans ironie, le dernier tour était pépère. Mais on était tous cassés. Alors, que je vous relise. Jean-Claude Van Damme.
Tac, 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 tac. Si un jour Chuck Norris fait une partie de Monopoly contre le sage Nancy, c'est qui gagne? Si un jour Chuck Norris fait une partie. Oui. Désolé, je m'avais besoin de parler d'autre chose. C'est le sage qui gagne au Monopoly. Merci Dragon Sky. Pourquoi il y a tant de blagues humoristiques sur Chuck Norris? Il te répondra pas. Il te répondra pas. Oh mon dieu! Un lâcher de macaron! Un lâcher de macaron! Il est vrai que chez chaque est bon. Didou di didou di. Oh là là. Oh! Mais vraiment, il y a des projectiles dans le ciel, c'est un truc de fou furieux. Parfois, on en arrive à regretter que la caméra soit pas en écran large, là, en angle large. Et pourtant, elle l'est, mais pas assez. Oh la vache! Oh! Placement de bombinette. La bombinette à confetti. Les grillages qui giclent. Oh, cette violence! Ouh, fou, 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 fou. Ouais, le passage vers la station de lavage m'est plutôt préjudiciable en général. Ah, et là je vais me faire avoir, je crois, par la grosse tôle qui va me tomber sur le capot. Et je vais me vautrer dans le canal, quelque chose de bien. Mais le canal, il est parfait pour... comme c'est incurvé, c'est parfait pour faire jeu de quilles. Voilà. Oh, le crash. Mon, 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 mon. J'avais oublié le jeu du discoplane. Ou frisbee, si vous préférez. Mais... J'avais oublié qu'il existait, t'as bien fait de le ressortir du placard dans Dragon's Sky. Marnier, marnier. Ouais, je joue encore un petit quart d'heure et puis je vous ferai un relais change chez quelqu'un. Ah, salade maison, bon app, cousin. Non, moi je vais me faire une faisselle va me faire du bien. Ça va me réhydrater en même temps, d'ailleurs je vais passer. Je vais me réhydrater par la même occasion.
Waouh. Là, j'avais un mur d'obstacles devant moi. Mais j'ai l'impression qu'elle prend toujours la tête de la course, Katie. Faut que je la dégomme. Oh, c'est traître. Vous avez vu? Ah bah, je vais me faire exploser, là. Eh, hey, mais remets-toi dans le bon sens. Oh, j'ai quelque chose sous le bas de caisse. Non? Ah, oh, bah alors. J'étais presque premier, et là, je suis bon dernier. Bref. Vous avez vu comment c'était traître sur le mur? Que j'aurais jamais dû lécher. Je vais essayer de bien piloter pour le coup et de rattraper Katie si je peux. Je crois que je ne pourrai pas. Les autres ne me laisseront pas le choix. C'est le désespoir. Je vis un grand désespoir. J'arriverai pas à être premier. Ah, mais non, mais non. C'est nul. Allez. Go. Mais je vais réussir à me bouser tout seul, moi, avec tout ce qu'il y a sur mon décor, là. C'est une catastrophe, ma course. Alors, attends, il passe par là. Ah oui, c'est pas mal par ici. Ouch. Non. Ah, j'ai cru que c'était un tremplin. À mon grand tort, je crois que c'est un tremplin. Bon bah là. Mais non, mais non, mais c'est une catastrophe. Ah, je suis désolé, mais je suis de la mouise. Oh là 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 là. Je peux pas conduire avec les flèches. Ah, si, je peux peut-être conduire avec les flèches. Ah, attendez, j'ai changé de mode sur la manette. Changer de mode sur la manette. Attendez-moi. Là, je me sens mieux au pilotage, là. La donne est différente. Ah oui, ça saute, ça saute. Je suis toujours dernier, on arrive dans le dernier tour. Alors. Non! Ça, c'est rageant. J'ai commencé à me faire happer par le mur en le léchant trop et il y a un effet de rail dont vous ne pouvez vous défaire que si vous donnez un énorme coup de volant. Ah, ça a ruiné ma trajectoire et mon approche. Merdoum. On sait faire plus de dégâts. C'est la déception. Stabilise, stabilise, stabilise. Oh là là, le panneau d'indication qui est... que j'ai explosé. Ah, mais je suis pas dernier. Ça va. Bof. Bof, bof, bof. Bah, je peux le faire, oui et non. Mais au moins, vous remarquerez que je finis mes courses. Parce que je pourrais effectivement bouger ma bagnole de manière irrémédiable et perdre la course. Déclaré parfait.
alors qu'est-ce que vous racontez dans le chat? Alors, pareil, trop chaud pour allumer le four. Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai une pizza chèvre, mais je la dégusterai lundi, je pense. Mais non, non, moi, c'est faisselle. Four, bois, cuire. Ouais. Four au bois, c'est. Pour ça, c'est extra. Là. Mais ouais, c'est. Ah! Macaron posé par Dragon Sky. Ouais, c'est sur ces performances très moyennes que je vais vous laisser. Je vais regarder. J'ai vaisselle, c'est pas la même. Ouais, au niveau vaisselle. Ouais. Non, j'ai faisselle. Pardon, j'ai cassé le. Parce que je vais regarder en fait qui fait des directs sur Twitch. Le temps dans l'antique, je vois qui aimait. Évidemment, il m'a pas mis le bon anglais. Ha ha ha. Il m'a pas mis de bon anglais. Hop. Allez, hop, je regarde. Pardon, ça va ressauter l'image. 30 secondes. Paf. Voilà, on y revient. Que je vois la liste des producteurs. Ah, bah, on va aller chez. Ah, tu me dirais, il y a Bazou. Bazou, ça fait longtemps que j'ai pas. Ah, Fulco qui faisait du Far Cry Primal hier. Tiens donc. Ah. Pardon, on entend un petit peu du direct de Fulco d'hier. Ah ouais, il faisait du Far Cry Primal. La vache, il est beau. Je sais pas s'il joue sur PC ou sur console, mais ça présente bien. Non, bah je vais faire honneur à Torota et puis je vais lui faire relais de chaîne. Vous allez vous retrouver chez Torota qui suit une journée complète de The Elder Scrolls. Moi, je vous retrouverai samedi matin prochain, sûrement pour la suite de Far Cry, justement. Là, je pense que je vais atterrir sur la deuxième carte. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci Olive Kitu pour ton abonnement. Merci à vous toutes et toutes pour votre présence. Merci pour la modération à Reoster et FunFan. Donc, normalement, FunFan, toi, tu fais Crash Bandicoot en totale découverte ce soir vers 20h sur ta chaîne. Non. Pas de sondage, Dragon Sky. Pas de sondage. Je vais couper. Malheureusement, je serai pas avec vous ce week-end. Je vais profiter de la famille, là. Et en partie du beau temps, en espérant qu'il tombe pas à l'orage. Donc là, je diffuserai plus du week-end. Donc pas de sondage. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, je reprends l'excellente formule d'Aeroster. Regardez-vous les uns les autres. Donc, Christella, on te retrouvera lundi dans l'après-midi. Aux environs de 16h, je devrais me manifester à toi lundi. Normalement, lundi, je dois pas bouger, je crois. Je crois que j'ai pas de rendez-vous lundi. J'ai pas lu mon agenda. Ouais, bon après-midi. Merci, Christella, toi aussi. Qui c'est qu'il y a d'autres? Je sais pas si tu vas faire un direct ce week-end. Dragon Sky, excuse-moi. Tu continues ton Xenoblade ou je sais plus quel jeu, t'en fais plusieurs en ce moment, tu tournes un peu. Je sais pas si tu diffuses ce week-end. Ah là 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 là. Enfin, voilà, voilà. Là, il reste encore un tour. Ouch. Oh, c'est mort.
rouler sur le débris, c'était n'importe. Oui, bah je dois finir dernier, non? Du championnat, je parle. Ah non, 6ème sur 8. Ah, ça va. Je m'attendais à faire pire. Je m'en sors pas trop mal, finalement. Est-ce que j'ai sauvegardé? J'en suis pas sûr. Attendez. Non, mais c'est pas la sauvegarde. Non, je pense que ça a sauvegardé. Mais je pense que, au pire, c'est pas les courses migration que j'ai faites qui font que ça va me sauver. Allez, je vous lis rapidement dans le... Alors, le temps de programmer, le rail change est en retard. Oh, il a que deux personnes qui le regardent, le pauvre Torota. Bah, pourtant, c'est intéressant, regardez The Elder Scrolls. Oh, je suis tristement surpris qu'il y ait si peu de monde. Bref, prenez soin de vous. Merci de votre présence. Bon week-end. Tac, 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 tac. Ah oui, les Madeleines, ouais. tac, 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 tac. Ah, pas de bol olive pour la pêche. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ouais, bon week-end à tous. Bisous. Allez, je vous envoie chez Torota. Prenez soin de vous, et moi je vous dis à samedi matin prochain. Ciao, ciao, bisous, merci pour tout. Eh oui, Torota, il est où, Torota? Il fait du Elder Scroll, il fait du Tezo, et moi je dis c'est ça qui est beau. Il est où, Torota? Torota! C'est ça, Raid! Et bonjour et merci le sage de Nancy pour ton raid. Et bienvenue à vous les raiders. Les raiders. J'espère que vous allez bien. Oui.